Salut tout le monde, c'est Max28, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dishonored 2 pour le premier épisode du Let's Play. Alors c'est un Let's Play qui prend la place d'un autre, puisque j'ai enlevé l'épisode 1 d'Assassin's Creed Origins et je fais celui-là à la place, tout simplement parce que Assassin's Creed Origins j'ai pas trop aimé le gameplay, j'ai essayé de faire l'épisode 2, j'ai pas réussi, j'ai fait beaucoup de fails et ça m'a énervé, du coup j'ai dit bon... On va se calmer, il me faut du temps d'adaptation sur le jeu et je l'ai pas en fait ce temps, donc voilà. Dishonored 2 est plus casual, c'est plus simple à jouer, donc on le fait. J'ai déjà fait le premier sur ma chaîne, donc si vous voulez le voir, je le mettrai peut-être en i là-haut sur votre écran. Et donc on y va. Donc je vais faire une nouvelle partie que je vais mettre sur mon ancienne, puisque j'avais lancé un petit peu pour tester. Pour tester comment c'était. Merde, j'ai dit l'initiation alors que c'est inutile. Bon, je la skip. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gages s'est introduit dans le palais où je suis né et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. J'aime beaucoup ces styles de cinématique. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluez tous Sa Majesté impériale, Emily Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Emily. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits? Courage, la cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu, le duc de Cerkonos. Ramsay dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens, intéressant. Monseigneur Lucas Abel, duc de Cerkonos. Des soldats mécaniques? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramsay? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote, Cerkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional.
Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, votre impératrice légitime, Delilah Caldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur? Ma très chère nièce. Bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur Yuorn Jacob Caldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Emily Caldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Caldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez Emily Caldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Ah, je vais jouer la fille, puisque dans le premier jeu, on avait joué Corvo, donc là, on va jouer sa fille. Je vous sculpterai dans le marbre glacial. Chère petite, avec le temps, tu finiras par m'aimer. Et même par voir en moi cette mère que tu as perdue. Mais en attendant, je vais te protéger de toi-même. Je vais enfermer Dame Emily dans ses appartements. Elle ira au bagne de Paris, où elle prendra son procès. Mon père a tout perdu quand j'étais gamin. C'est pour ça que je porte cet uniforme et que j'envoie des petits jeunes patrouiller dans la roseraie au lieu de picoler avec les membres du club de tir. J'ai entendu des cris. Impératrice Emily, que se passe-t-il? Ce sera tout, Capitaine Mayhew. Non! La fameuse épée du protecteur royal, hein? Et qui se plie aussi facilement. Elle se peut plier. Elle est droite. Ouf. Compte au sein de la garde qu'en cas d'urgence, il y aurait dans vos appartements une chambre forte contenant assez d'or pour acheter une île de belle taille. Et on dit que cet anneau est l'une des deux seules clés qui existent. Ouais. Tu me le rends, c'est le meilleur, s'il te plaît. Et puis, il me fait mal, il me... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alexis, la salle du trône. Père. Je ne peux rien faire. Je dois sortir d'ici. Ouais. Devrais-je le faire tourner et choisir un endroit où me cacher ? Je dois réfléchir. Il pense même pas. Combien de fois ai-je contemplé cette vue ? C'est comme si tout avait changé soudainement. Delilah est... Où est le protecteur royal ? Il y a eu un coup d'état. Mon père est emprisonné. Il faut que vous quittiez la tour, par la salle sécurisée. Tout à l'heure, il y avait un capitaine sur les quais qui cherchait le protecteur royal. Trouvez-la et quittez Dunwall. Alexis... Je suis désolée.
Adieu. Oh, damn. Voilà, je lui porte le coup fatal. Impossible de passer sans ma chevalière, c'est Ramzy qui l'a. Il faut récupérer la chevalière. Ces salopards travaillent pour Ramzy et le duc de Cerconos. Tuer beaucoup de gens. Oh. Traître. Maintenant que nous tenons la salle du trône, nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Je reviendrai quand j'aurai fouillé les appartements royaux, si tant est que je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salle sécurisée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. C'est excitant. Tout change. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Vous saviez que les Ramsay ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux? Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle. La crème de la haute société. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. Ouais, donc tout ça, je l'ai fait au début, hein, je... Ouh là là. J'aurais pas dû venir, là. C'est Emily Caldwin. Vous l'avez... Ok. Je ne m'en sépare plus, maintenant. Sont morts pour m'être resté fidèle. Soyez maudits, duc de Cerconos, Delila. Toutes ces morts absurdes. Oh, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, viens, viens, frappe. Je kiffe les kill moves. Père, j'ignore comment, mais je rétablirai la paix. Je t'en fais la promesse. Ils me le paieront. Mais pour l'instant, il faut que je prenne la fuite. Sokolov a conçu cette serrure. J'ai passé tant de nuits ici après la peste. Bon, les livres, je vais pas les lire. J'aurais bien besoin de ces armes. Cet or ne me sera d'aucune aide contre Delila. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le transporter ailleurs. Ok. Allez, on peut s'en aller. D'y voir plus clair, il faut que je fasse profil bas. Il faut que j'arrive au quai. Ouais. Il faut que je quitte Dunwall. J'ignore comment, mais Delila a changé mon père en statue de pierre. Je trouverai comment le sauver. L'uniforme de la garde. Cette ville grouille d'hommes du duc. Écoutez tous, j'ai de mauvaises nouvelles. Ramzy est mort. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Emily Caldwin s'est enfuie. Il faut la retrouver. C'est tout, vous avez vos ordres. Dispersez-vous, retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Cerconos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière.
sécurisée. J'aurais dû écouter ma mère et devenir coiffeur. L'air paraît lourd. On a du mal à se remplir les poumons. Ah hein? Il y a un mec là-dedans aussi. Il y a plusieurs façons de finir les parties, enfin les niveaux. Genre il y a des méthodes fantômes ou un truc comme ça. Wow, quoi? Mais quoi? Voyons ce qu'on va faire. Ouais, ne tuer personne, jamais détecter tout ça. Bah, pour l'instant nous on s'en fout un peu, hein. Je veux pas faire un truc spécial. Citoyen de Dunwall. Votre attention, citoyen de Dunwall. À partir d'aujourd'hui, Delilah Calhoun est notre nouvelle impératrice. Gloire à Delilah, première du nom. D'autre part, l'ancienne impératrice Emily Calhoun est désormais recherchée pour trahison. Quiconque donnera asile à Emily Calhoun sera condamné à une amende et arrêté. Peuple de Dunwall. Il faut que je trouve un navire. Le feu est en vigueur en cette période de trouble. Ok, lui c'est bon, il est géré. Je dis pas non à ça, moi. Que je me concentre sur mon travail, que j'oublie ce baiser. Oh, ce baiser. Il faut que je prenne le large. Je devrais parler au capitaine de ce navire. Ok. Tout ça civil. Chut. Faudrait pas qu'on nous entende. À plus tard alors. Hein? Que. Quoi? J'espère qu'ils vont pas me lancer. Ordre de la garde urbaine. Mais qu'est-ce que je vais faire? Viens m'aider. Ce n'est pas mon problème, citoyenne. Un conseil, rentrez chez vous. Si je ne peux pas rejoindre mon magasin, je suis ruinée. Les gens, ils courent. Écoutez-moi bien. Je vous déconseille de traîner dans les... Dégagez. Peuple de Dunwall. Porter assistance à un fugitif est un crime passible de mort. Aidez la garde urbaine en cette période transitoire. Un cadavre? Ici? Garde! Aidez-moi! Quoi? Tu me dénonces aussi, c'est ça? Mais ça va, ils font rien du tout, les PNJ. Là, ça peut être chaud. Plus c'est strafe comme ça. Je vais rester comme ça jusqu'au moment où il va partir. Ça, je pourrais tuer celui qui est juste devant moi là. Allez. Voilà.
Rien du tout, tu ne m'as pas vu. Oulala. C'est quoi, on va directement là-bas. On passe à côté sans rien faire. Voilà. Ça, c'est l'approche pacifique. Je suis venu avertir. Impératrice, j'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire. Impératrice, tout le monde va vous reconnaître. Vous êtes sur toutes les pièces de monnaie de la ville. Je suis victime d'un coup d'état et on m'accuse des meurtres du tueur de la couronne. Je me moque qu'on me reconnaisse. Je m'appelle Megan Foster. Je travaille pour l'un de vos anciens alliés, Anton Sokolov. Nous avons fait une découverte terrible au sud. Je suis venue vous prévenir. Je connais Anton, mais Corvo est parti. Le duc de Cerconos est ici avec une certaine Delilah. Ils ont massacré tout le monde dans la salle du trône, puis elle a fait quelque chose d'incompréhensible. La fuite était ma seule option. Parfois, c'est la seule chose à faire. Voici mon navire, le Dreadful Whale. On peut prendre le large quand vous voulez. Les meurtres du tueur de la couronne ont commencé à Karnaca. Je dois y aller. Delilah a dû vivre là-bas et il faut que je comprenne ce qui se passe. Vous êtes la fille de Corvo, sans aucun doute. On y va ? Yes. Oui, je suis prête. Ouais, voilà. Donc là, on se situe ici, un peu entre furtivité et pas beaucoup de non-létal. Voilà, c'est à peu près ça que je vous disais. Et là, justement, pour cette mission, il y avait Pacifique, aucune victime. Bon, j'en ai fait 7. Et Fantomatique, aucune détection. On m'a détecté 8 fois. Ça, je suis pas très bon à la détection. Je crois que c'est même pas... Quand le gars nous voit, c'est juste la jauge, sa jauge blanche, là. C'est très dur à ne pas avoir ça. Suis-je toujours sur le navire de Megan ? Drôle de sensation. Quel est cet endroit ? Où suis-je ? Je sens une présence qui se rapproche, qui m'observe. Impératrice Emily Caldwin, je suis un ami de ton père depuis bien longtemps. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. J'ai vu ta mère assassinée par des intrigants avides de ton petit empire. Toi qui fus sauvé par un homme au masque étrange. Je pensais cette histoire arriver à son terme. Mais Delilah et le duc sont venus obscurcir le tableau. Combien de tes sujets accepterais-tu de massacrer ? Et jusqu'où es-tu prête à aller ? Il y a 15 ans, j'ai posé la même question à Corvo. C'est cette décision qui l'a transformé. Et c'est ton tour, Emily. Bah oui, on l'accepte. Ça brûle. De l'intérieur. Je me sens comme à la lisière d'un monde étrange. Ok. Tout ce qu'on raconte, c'est donc vrai. Incroyable. Voilà comment je vais sauver mon père et reconquérir mon trône. Eh ouais. Oh! Quoi? Ok, je suis tombé dans le vide. Qu'est-ce moi, que c'est? Je dis pour rien. Ouais. Je te connais. Tu te souviens? Il avait si longtemps. Et tu as tant souffert. Même en étant l'ombre du nombre, je suis heureuse que tu sois là. Mère? Tu es là, mais pas tout à fait. Dans ma main, mais... aussi ailleurs. Ce sont les derniers lambeaux de mon être qui t'accompagnent encore. J'aimerais tant franchir l'abîme qui nous sépare et te serrer dans mes bras. Mais ce que je peux t'offrir, c'est mon don et ma malédiction. Invoque-moi dans ta main.
et je te guiderai si je puis. Quand j'avais 10 ans, lassée par mes leçons, je rêvais de grandes traversées sur l'océan et de combats à l'épée. Je me suis vite rendu compte que le monde ne tournait pas aussi rond que je ne le croyais. Le chaos règne désormais, mais je n'aurai de cesse de me battre jusqu'à ce que l'ordre soit de nouveau rétabli. Le port de Karnaca, à la pointe sud de l'Empire, a perdu de sa superbe, sous l'égide du nouveau duc. La grande garde sarconienne s'est muée en milices, faisant régner la terreur. Entre passage à tabac et peloton d'exécution, les mouches de sang sont plus agressives que jamais. C'est la ville natale de mon père. Megan Foster ne parle pas beaucoup, comme si elle cachait quelque chose. Mais elle m'a aidé à fuir Dunwall et pour le moment, il faut que je fasse profil bas. Delilah et le duc m'ont fait passer pour une meurtrière, en envoyant le tueur de la couronne massacrer mes opposants politiques. Ils m'ont tout pris. Mais je remonterai sur le trône quoi qu'il en coûte, quitte à réduire la ville en cendres. Ok, c'est bon, je suis vraiment dans le... Ouais. Ouh, une emballage. Nice. Eh bien, je pense qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode. J'espère que il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !